Alors nous voici à la cabane de Yo, je viens d'amener les outils pour plusieurs jours de travaux. Je vais te montrer un petit peu les choses à faire. Donc là, j'ai entreposé des jouets. Donc on va monter ça à l'étage pour que je puisse laisser des outils ici. Parce que quand je suis dans ce secteur de l'Ariège, ben, je ne veux pas amener chaque fois tous mes outils. Donc il y a des choses qui vont rester là. Et tu vois, je vais... Alors là, il y a une petite fenêtre. Tiens, regarde, ça c'est moi et Coco quand on était plus jeune, avant qu'on ait Yo-Yo. Et là, tu vois, je vais te montrer. Donc là, il y a une petite échelle. Ça, c'était l'escabeau du papa de Coco, qui me l'avait donné. Je l'avais pensé. Donc là, ben, ça sera une chambre pour Yo. Ça sera sa garçonnière. Là, j'ai mis le matelas, donc il n'y a pas trop de lumière. Ça, c'est le hublot de la machine à laver que je t'avais expliqué de la machine à laver de ma grand-mère paternelle. Et derrière, c'est le hublot de la machine à laver de la grand-mère à Claudia. Voilà, donc là, tu vois, tu as un petit toit en pente. Ça a bien vieilli, on n'a pas eu d'infiltration. C'est des bacs acier sur le dessus. Tu peux, je sais plus si on peut se tenir debout au milieu. Oui. Presque. Ah bon, là, j'ai la tête dans les toiles d'araignée. Pas tout à fait. Tu vois, il y a pas mal d'araignées qui ont envahi le lieu. Là, je viens de m'empéguer la tête. Donc, je vais ranger un petit peu ces jouets. Il se les vendra, il se les triera au fur et à mesure parce que j'en avais laissé chez mes parents. Enfin bon, il est attaché à ses camions. Allez, on va faire ça en premier. Tu vois, tu as le Y du Yo et tu as le Y d'Yvon. C'est les deux prénoms de mon fils qui viennent de son grand-parent. Alors, je vais te poser et on va monter tout ça. Ça vient d'une école, tu vois, quand il est t'es petit. Ah oui, 2018. Elle reste dans la valise. Alors si jamais tu pètes quelque chose en plastique, moi par exemple j'avais cassé le phare arrière de la Doblo avec des vrais Lego, tu les fais fondre dans de l'acétone et tu peux les réparer et c'est passé au contrôle technique. C'est un plastique universel. Allez, on va voir en bas. Alors, donc ça y est, j'ai monté les jouets. J'ai posé les outils que j'aurais besoin, dont j'aurais besoin pour les jours à venir. Et là, je vais aller me trouver un petit coin pour dormir et je reviendrai demain matin tôt. Pour ce soir, ça sera OK. La petite voiture que je vais récupérer pour Yo-Yo, ça, il va être content que j'ai trouvé celle-là. Thank you.
Bon, allez, je vais aller au sous-sol. Il y a une fuite au chauffe-eau. Là, je viens de régler la fuite au robinet. Il faudra que je coupe ces planches pour la trappe. Je filme, mais en même temps, je dois porter le matériel. Alors, tu vois, là, il y a du bois que je dois sortir parce que ça fait déjà 10 ans. Ça va s'abîmer. Il y a des fois un peu d'humidité en bas. Là, ça avait... les piliers, je les avais creusés à la bêche. Après, il y avait une pelle qui était venue, tu vois. Ça, c'est le sous-sol, donc... on va aller au chauffe-eau. Là, c'est du bois qui me restait pour l'intérieur de la maison. Je le sortirai, il me servira au camion. On va voir si on peut régler cette fuite sans... Voilà, il y a le robinet. Ça fuit à l'eau chaude. Il va falloir... on va poser ça là. Je vais aller chercher un tapis. Pas super confortable. C'est un genre de patex pour cuivre, tu vois. Bon, là, il n'y a plus de fuite, mais je le mets en sécurité. C'est spécial tuyau de cuivre. Un époxy pour cuivre. Voyons.